J'ai déjà fait tout ça. Mais vous savez quoi? Action Mirilis. J'ai déjà fait tout ça. Mais vous savez ce qui est magnifique? C'est que Bandicam a capturé entièrement un écran noir. Donc nous résurons la record. J'ai déjà fini ce jeu. Mais vous savez quoi? Bandicam a tout foiré au niveau de la capture. Donc nous y voilà. J'arrive pas à parler. Donc nous y revoilà. Salut à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue à nouveau dans Hello Neighbor. Pour moi, c'est la troisième fois. Mais pour vous, ce sera que la deuxième fois, évidemment. Dans le dernier épisode, qui n'a pas été enregistré, qu'est-ce que s'est passé? J'ai réussi à ouvrir le sous-sol et j'ai réussi à voir ce qui était caché de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui s'est passé, hein? On recommence. Salut à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue dans la suite d'Hello Neighbor. Dans le dernier épisode que vous n'avez pas vu, j'ai réussi à aller jusqu'au sous-sol. Et effectivement, si mon logiciel de capture n'avait pas forcément réussi, quoi qu'il en soit aujourd'hui, les amis, nous allons donc essayer. En tout cas, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour réussir. Let's go! Tout d'abord, dans les commentaires, beaucoup d'entre vous m'avaient aidé en m'indiquant qu'il suffisait d'entrer. Salut! Ok, il est venu manger du pain. Très bien. Beaucoup d'entre vous m'avaient indiqué que à l'intérieur de cette petite maisonnée, il y avait une chaudière. La chaudière qui permet donc de refroidir un petit peu l'ardeur tempérante de ce requin mal famé. Hello? Hello, c'est moi encore! Je suis juste venu faire un petit tour! Ok, très bien. Ok, c'est bon. Il n'est pas là. Le requin, il est juste ici. Il vit sa vie. C'est cool pour lui. Je vais vous montrer ce qui se cache ici. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à geler l'eau grâce à la chaudière. Ça, c'est super. À cet étage, il y a une salle de classe, comme vous pouvez le voir ici. Où nous avons, dans l'épisode précédent, récupéré une sorte de maîtresse qu'il faut donc installer ici. Parce que dès qu'on arrive au tableau, il y a des gens qui nous balancent des avions en papier. Et qu'est-ce que les avions en papier nous empêchent de faire? De coller les chiffres pour résoudre l'opération. Et pourquoi voudrions-nous résoudre une opération? Me dites-vous. Eh bien, c'est simple. Il y a un fusil à récupérer qui nous permet donc de jouer à ce petit jeu ici, qui permet donc d'obtenir une clé qui va permettre d'ouvrir cette porte, aller de ce côté-ci, récupérer un marteau-piqueur de l'autre côté et exploser le mur. C'est ça? C'est ce que j'ai fait dans l'épisode que vous n'avez pas vu. Ça, c'est triste. Putain, ça m'énerve. Non, franchement, ça m'énerve parce que j'avais tellement réussi, j'étais fier de moi. Parce que j'avais réussi à éviter les spoilers un petit peu. J'avais juste lu comment faire pour geler le requin et éventuellement. Il m'a fait peur, le con. Il m'a fait peur. Il m'a légèrement surpris. Je m'attendais pas à sa présence ici. Sa présence qui n'était pas nécessaire. Bon, bref, quoi qu'il en soit, il a réussi à me choper. Il a réussi à me faire peur. Très bien, certes, c'est pas un souci. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on va donc récupérer. Tout ça, c'est pour récupérer un objet. Donc, il y a deux objets à récupérer. Soit tu récupères la clé directement, la clé qui va permettre d'ouvrir cette porte, ou alors tu récupères un outil de crochetage qui est dans une salle de surveillance de notre ami. Ce qui se passe ici, c'est que nous allons donc faire le premier. J'ai la cloche. Une caméra de sécurité qui vient juste de me voir là. Attends une minute. Fuck. J'ai bien cru que j'allais pouvoir passer, c'est pas de ma faute, j'ai vu le requin, je me suis dit, écoute, en trempant un petit doigt de pied dedans, ça peut pas faire de mal. Je me suis trompé. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Quoi qu'il en soit. On va donc regeler le requin parce qu'il est chiant. Il est relou. Voilà. Le requin est gelé. Maintenant qu'il est gelé, ce qui va se passer, c'est que. Je sais pas à quoi sert ce truc. Je sais pas si ça permet d'arrêter ou pas le requin. Enfin, le requin. Qu'est-ce que j'en pense? Je sais pas si ça permet d'arrêter le train.
Apparemment, le train continue d'avancer. Ok, il est juste ici. Il est dans la cuisine. Ce qui fait que normalement, si je me dépêche, je peux arriver directement ici. Voilà. On va récupérer ça. Hop. On va fermer ça. On va faire attention au piège. Oups. Viens ici. Là, c'est la salle, si j'ai pas besoin. La salle de classe, j'y ai pas besoin. Ah, je suis. Donc, là, je suis au deuxième étage. Oh putain, le mannequin, il me fait peur ce mannequin à chaque fois, c'est horrible! On va ici, balancer ça là-bas, récupérer la cloche qui est juste ici. Voilà. J'ai deux en fait, j'ai deux cloches là d'un coup. Donc c'est un peu con. Qu'on fasse gaffe à ce qu'ils ne viennent pas par l'ascenseur. Ça pourrait être dramatique, tu vois. Ok, très bien. Tout va bien ici. On vient ici. J'éteins ce truc-là. C'est quoi ça? Il y avait un bouton. J'ai appuyé sur un bouton et je sais pas à quoi ça sert. Bon, quoi qu'il en soit, je vais mettre cette chaise-là. Juste ici. Là. Ah, je peux pas. Pas grave. Je sais pas à quoi ça sert cet interrupteur que je viens d'appuyer dessus, là. Bon, c'est pas grave. Je vais récupérer cet outil. Et en fait, j'ai trop de cloches en fait. Je mets de la cloche ici dans la salle de contrôle parce qu'elle me sert à rien. Juste ici, caché. Mettre ça là. Ok, très bien, y a personne. Tain, ça fait peur en fait. Même si je connais comment faire pour passer, c'est plutôt flippant en fait ce qui se passe. Il ouvre des portes et tout! Ce qui se passe, mon sang! Il est pas loin. Il est pas loin. Soit il est pas loin, soit il... Je sais pas où il est, en fait. Le truc, c'est que là, les amis, je peux déjà ouvrir la porte. Parce que j'ai tous les objets nécessaires pour ouvrir la porte sans utiliser la maîtresse d'école. En fait, avec la maîtresse d'école, je pouvais faire un... Comment on appelle ça? Des résultats de maths et tout. Et ça me donnait un fusil. Et donc, en tirant avec le fusil sur... Ok, très bien. En tirant avec le fusil sur des cibles, je pouvais obtenir... Oh non, bordel de merde. What the fuck? M'a fait peur. What the fuck? T'es pas sérieux, mec? J'ai le temps! J'ai pas voulu faire exprès, je vais être à ta maison, attends, oh, on se calme! Oh fuck! J'ai besoin du marteau! Il est relou, franchement! Il pense qu'à lui-même! Et moi aussi, je veux savoir ce qu'il y a dans la maison! Je savais que derrière cet endroit il y avait quelque chose de caché. Ok. Là il vient de m'enfermer quelque part, mais je ne sais pas vraiment. Quoi qu'il en soit, les amis, ça c'était mon speedrun, on va dire d'Elonébourg avec ma version de savoir. Est-ce que vous voulez que je m'arrête là? Non, pas tout à fait. Enfin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, partager avec vos amis. Et surtout, restez vous-même parce que vous êtes tous géniaux. Tous, sauf toi. Toi non. Toi, il y a encore du travail. Mais vous êtes tous géniaux. Je vous fais des bisous tout partout. C'est Ross. Out. Je suis même pas sûr d'avoir expliqué tout ce que j'ai fait dans l'épisode précédent, mais j'ai clairement pas fait exactement ce que je viens de faire là. C'était plutôt rapide. Ouais. En tout cas, ça m'énerve énormément, ce logiciel de foutu de merde. Évitez comme la peste Bandicam si jamais vous faites des vidéos sur YouTube. N'utilisez jamais ce logiciel.